Le liquide céphalo-rachidien, appelé également liquide cérébrospinal, est le liquide dans lequel baigne le système nerveux central, encéphale et moelle épinière. Il en assure ainsi la protection contre les chocs et les secousses mécaniques. Il joue un rôle important dans la régulation de la pression intracrânienne. Il participe aux processus métaboliques cérébraux en régulant les échanges de substances et assure bien d'autres fonctions. Le LCR circule dans deux compartiments différents. Un compartiment intra-encéphalique fait de cavités ependymaires ou ventricules. Et un compartiment extra-encéphalique qui correspond aux espaces sous-arachnoïdiens. Le LCR est sécrété au niveau des plexus choroïdes, des amas de vaisseaux sanguins capillaires situés au niveau du système ventriculaire. Ce système qui creuse l'encéphale se constitue de quatre ventricules reliés entre eux par des canaux. Il se continue au niveau de la moelle par le canal de l'épendyme. On distingue deux ventricules latéraux, occupant le centre des hémisphères cérébraux. Ces ventricules latéraux sont tous les deux reliés au troisième ventricule, au niveau du diencéphale par les deux trous de Monro. Le troisième ventricule est relié au quatrième ventricule au niveau du tronc cérébral par l'aqueduc de Sylvius. Le LCR va sortir au niveau du quatrième ventricule à travers le trou de Magendie pour occuper les espaces sous-arachnoïdiens entre la pimère et l'arachnoïde. Le LCR est alors résorbé au sommet du crâne, au niveau des granulations arachnoïdiennes de Pacuni.